Eh bien, salut à tous, ici c'est EasyStar. Aujourd'hui, on se retrouve sur un gameplay de Code 4 que j'ai filmé à l'avance. C'est mon premier. Ce sera ma première vidéo en ligne qui ne sera pas un gameplay commenté. À part les frag movies, bien sûr, ce sera pas un gameplay commenté en live. Voilà, donc ce sera un gameplay normal avec. Des commentaires, ouais. Enfin bref, voilà. Donc je joue avec, je sais plus le nom de l'arme, mais en tout cas je sais qu'il faut que 2 balles pour tuer quelqu'un. J'ai démonstration ici, regardez. 1, 2, voilà. Après, je trouve que franchement cette arme est vraiment, vraiment bien. Que c'est une reproduction. Je crois que c'est une reproduction de la K47 en plus puissant, mais en moins rapide. Donc ça peut être, franchement ça peut être vraiment pas mal. J'ai joué avec force de position, je crois c'est. Après j'ai l'atout pour avoir les balles. J'ai l'atout. Qu'est-ce que j'ai? Je sais plus trop, voilà. Donc c'est pas un gameplay non plus, extraordinaire. C'est un gameplay normal. Donc en plus c'était le retour des vacances, donc 3 semaines sans jouer, ça fait mal. Disons que c'est pour la reprise, c'est assez dur. Voilà. Et voilà, après. Je vais faire aussi des vidéos, je ferai une vidéo avec le nouveau perso de League of Legends qui va sortir, donc je ferai une vidéo test et en même temps comment le jouer et quel stuff le mieux adapté. Attention aussi parce que il a un objet à lui aussi, comme comment il s'appelle, Victor, voilà, je cherchais le nom, comme Victor, sauf que l'objet, vous l'avez pas de départ, il coûte 800, de toute façon il est sur le site, sur le site de League of Legends, et j'ai vu que ça, comme l'ancienne vidéo de Jace, en stuff cariadé, enfin comment on le jouait, tout ça, ça avait bien marché, donc pourquoi pas faire une autre vidéo avec justement Rengar, et comme justement aussi Zira, je ferai les vidéos comme ça si le perso me plaît, en fait, voilà. Et en fait Zira, j'aime pas vraiment trop son style, et Diana non plus, j'aime pas. Après Rengar plutôt il m'intéresse plus. Moi je suis plutôt corps à corps que les mages. D'ailleurs en classé je joue plus jungle, AD, carry AD, solo top, avec Lee Sin, Olaf, ou pareil en jungle avec Ekarim, Olaf et Lee Sin, Shaco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je joue avec d'autres, hein. Avec d'autres persos, mais c'est les plus courants, on va dire. Avec Draven aussi, ouais, qui moi franchement je le trouve pas mal, mais attention, avec Draven il faut de la pénétration d'armure, parce que au début de game vous enlevez un carreau et demi plutôt. C'est franchement en niveau 1 ça pique, hein, franchement vous prenez ça dans la gueule, niveau 1 vous reculez tout de suite, enfin voilà quoi. Après je ferai certainement aussi des frag movies sur Battlefield 3 parce que je vais bientôt l'acheter. J'attends peut-être, ce que j'ai vu, il y a un pack avec toutes les cartes au lieu de je sais pas combien, le jeu ça coûte 60€ à peu près, plus les packs de map à 15€, alors que là en septembre il va sortir à 70€ tout compris avec les 4 packs de map. Donc c'est vraiment très très intéressant, je vous conseille de l'acheter si vous ne l'avez pas.
Parce que franchement, Battlefield, à Call of Duty, je préfère largement Battlefield, mais bon, le Battlefield n'est pas craquable sur PC, alors que là, regardez là, sur le Code 4, je joue en craqué. Le Black Ops, comme j'aime bien, c'est presque le seul que j'ai acheté, ouais, c'est le seul hein, sur PC que j'ai acheté que Black Ops. Après, j'ai le Alter Evolution de Modern Warfare 2 et la version craquée de Code 4. Et oui, le Battlefield, il est craquable, mais en solo, ouais, en solo, mais pas en multiplayer parce qu'il faut une clé. Et ben voilà, sur ce, je vous dis au revoir et ciao, bye, à plus.